me connaît là-bas. Même au Togo, au Bénin, partout, on me connaît. Les gars, ils font semblant. Ils font comme si... ils font comme si... Ouais, ils ne voient pas, mais ouais, ils font comme s'ils me détestent. Mais aujourd'hui, les gens te lisent. Ils lisent tous les partages, tous les commentaires des gars. C'est bien fait pour lui. D'autres mettent, il boit 7 bières. D'autres mettent quoi, meilleure nouvelle de la journée, tout ça. Bon, moi, je vois ça et puis ça me fait rire. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que les gars m'envoient un message, ils me disent, ouais, fais attention. Mes proches m'envoient, me disent, fais attention, ouvre tes yeux, maintenant tu vas voir avec qui tu dois marcher. J'ai dit, moi, je sais, depuis longtemps, c'est pas comme si le succès m'a surpris. Moi, j'étais déjà avant sur Internet et tout, et tout, et tout. Il faisait mes oui dans les immatures, il faisait les moments. Donc, c'est pas comme si un oui m'a surpris. Vous dites que il a commencé à marcher avec tout le monde. Ici, il n'y a pas de camarades dans ce réseau-là, sur ce réseau-là. En tout cas, dans les médias, dans les moments, il n'y a pas de camarades vraiment. Proprement dit, je suis toujours seul dans mon moment. Il y a mes deux, trois gars avec qui ils causent un peu des mouvements, qui doivent sortir des projets, mais qui doivent parler des mouvements et qui élaborent les bails, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas vraiment de camarades. Donc, on me dit, il faut te méfier, tu vas voir le vrai visage des gens. Vrai visage, faux visage, ça ne m'intéresse pas. Ce que les gens disent sur Internet, ce que vous dites à moi, ça coule. Tu vois, c'est comme quand il pleut, la pluie veste sur toi, quand ça coule et puis ça veste. Tranquille. Ça me fait ni chaud ni froid. Tout ce que les gars sont en train de dire. Ouais, tu as fait ci. Ouais, tu as fait ça. Tu as regretté. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas ci. Tu fais pas ça. Tu as raté ta vie. Quoi. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Je n'ai pas du tout raté ma vie. À défaut de tout ce que vous pensez, moi, je n'ai pas raté ma vie. Au contraire, j'ai réussi ma vie. Ce que vous ne savez pas. Au pays, c'est à chacun son travail. C'est parce que bon nombre d'entre vous essaient de faire ce que moi j'ai fait là. Ça ne marche pas pour eux. Donc, ils sont devenus, les satans. Ils sont devenus les maudits, les haters. Moi, je suis tranquille dans mon mouvement. Je suis là, je vois les morts qui essaient de faire comme moi ici. Ils essaient de placer caméra, mettre vidéo, mettre photo ici, essayer de dire tout. Mais ce n'est pas pareil. Moi, ma particularité, comme il est dit dans la vidéo, je ne suis pas à comparer à une autre personne. Je fais ce que moi, je peux. Moi, je suis dans les critiques. Je ne suis pas le gars qui vient pour fuir dans un genre... Bon, en tout cas, je ne suis pas con. Je tenais à clarifier un truc. Voilà. Je ne fais plus partie... En tout cas, d'après ce qu'on m'a annoncé, je ne fais plus partie de l'équipe de Pipolémique. Ça, c'est ce qu'on m'a annoncé. Et ce qui est dit. Parce que depuis le départ... Ou bien depuis 7 ans, en tout cas, ça fait au moins un mois, deux mois, mais demande à Pipolémique comment est-ce qu'on polémique, comment est-ce qu'on chacun dit ce qu'il veut et tout. Aujourd'hui, je vous précise, je vous dis, je ne fais plus partie de l'équipe de Pipolémique, mais je suis toujours sur la 3. En attendant ce qu'ils vont me proposer d'autres, je ne suis plus sur le plateau de PPLK, mais je suis toujours à la 3. Tenez à préciser ça. Parce que vous êtes en train de m'envoyer les messages et ils sont en train de publier là-bas les pages là. Je ne sais pas qui allait vous dire ça. Pas de quoi être viré, pas de quoi être viré. Bon, les chefs ne m'ont pas encore dit. Qui a été viré de la chaîne. Mon juge dit, ah, tu fais plus partie de l'équipe des Pipolémiques. Sûrement parce que j'ai pas été à la hauteur des attentes, c'est tout. Voilà. Parce que c'est vous les spectateurs. Si vous dites que vous kiffez pas, on envoie une nouvelle personne, sûrement la nouvelle personne va venir faire ce que vous kiffez. Ça, c'est très simple, c'est comme ça se passe. Il fait plus Pipolémique, mais je suis toujours sur la 3. C'est comme ça. Contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que vous espérez, je ne suis pas viré de la 3, je suis là, il reçoit, il perçoit mon jeton, il a le retirer là à la fin du mois. Il m'a retiré mon jeton, il paye, mais oui, il kiffe, il vit. En attendant, ce qu'ils vont me proposer d'autres, c'est comme ça. Voilà, je n'ai pas été viré de la 3, je suis bel et bien à la 3, je reçois mon lance chaque fin du mois, ça passe tranquille, je vis bien et ça. Je n'ai pas été viré de la 3, je répète, partagez, c'est que vous avez filmé, parti, posté. Je n'ai pas été viré de la 3. Il n'a pas répondu depuis là parce qu'il essayait de voir, il tentait de voir un peu la mentalité des gens, il y a les mouvements. Il n'a pas été viré de la 3. Je suis juste plus sur le plateau de PPLK. Tenez à rectifier ça. Il n'a pas été viré de la 3. Je suis juste plus sur le plateau de PPLK. Voilà ce que les chefs ont décidé. Sûrement, il n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Je le répète parce qu'il y a d'autres qui viennent d'arriver. Il faut que le répéter en boucle pour vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis plus sur le plateau de PPLK. Je tenais à préciser, mais il n'a pas été viré de la 3. Voilà. Sûrement, il y a des nouvelles émissions qui vont venir, hein, figurer dans d'autres émissions, sûrement. Ou bien on ne sait jamais. C'est-à-dire quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvre. Il n'a pas été viré de la 3. Tenez à préciser ça. Contrairement à ceux, les haters qui sont contents. Vous n'avez pas de travail, vous moquez de quelqu'un qui travaille. Vous ne travaillez pas, vous moquez de quelqu'un qui travaille. Non, ça, c'est un peu bête, quoi. C'est illogique.
Vous n'avez pas travaillé, vous moquez de quelqu'un qui travaille. Moi, je ne suis pas chassé, je ne suis pas viré. C'est parce que, bon, j'ai laissé les roues dans la voiture. Je vais vous montrer un peu. Tout est là. Bonne et due forme, tout est là. Mon jeton est calé. Il peut aller retirer mon jeton et faire ce qu'il veut. Voilà, je ne suis pas viré de la 3. Sinon, ils allaient faire un communiqué pour dire. La même manière que je suis venu, ils ont dit, Paco est venu sur la 3. Moi, ça ne me dérange pas. Vous savez, moi, les commentaires, quand on publie ça ici, vous publiez ça, moi, ça ne me dérange pas. C'est parce que toute la famille est en train de m'appeler, les gens sont en train de m'appeler, j'essaie de les rassurer, mais bon, je n'ai pas passé mon temps à répondre aux messages comme ça. Je préfère faire un direct. Là, je laisse ça sur ma page. Ceux qui viennent vont venir en retard, vont venir regarder ça. Et puis, ils regardent, c'est tout. Voilà. On dit, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus, ton jeton passe. Je suis là, tranquille. Pipolémique, comment je serais plus sur Pipolémique? Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est comme ça. C'est un peu ça. Merci à ceux qui m'envoient de la force, mais. Franchement, c'est Dieu qui me donne toujours la force. Je suis toujours avec mon petit cercle restreint. Quand on m'envoie la force, quand on m'envoie pas la force. De toute façon, le game qui est fait là, il n'y a pas besoin de tout ça dedans. Comprenez ça. Je suis suivi par 200, bientôt 300 000 personnes sur Facebook. Mais je suis connu plus que certaines personnes qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés ici. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de la popularité, c'est de ça qu'il s'agit. Dans vos bêtises, quoi, vous entrez à côté de ça, je m'en bats les couilles. Autant que vous me connaissez, tant que ça parle. Et quand il fait les wins, il me dit, ah, tu cherches visibilité, ça c'est mon game à moi. Et juste quand il va mourir, c'est comme ça. Peut-être que le jour est mourir là, c'est là où vous êtes venu. Ah, c'est maintenant, il comprend ce qu'il faisait. Moi, ça c'est mon game à moi. Et pour rien au monde, il a changé ça. Pour rien, c'est pas pour vous satisfaire. De toute façon, que je suis venu sur Internet. C'était pas pour vous satisfaire. Surtout vous, les morts de Facebook. C'était pas pour venir vous satisfaire. Il faisait mes wins, il a commencé à dire la vérité sur mes mouvements, ce qu'il pensait, ce qu'il dit. Au départ, les morts ont kiffé. Après, c'est rentré dans jalousie. Mais vous voulez pas. C'est Dieu qui fait tout. Moi, je kiffe toujours ici dans ma science. Tout est bon. Voilà. Ça, c'est juste pour éclairer. Demain matin, il fait ce top dans une nouvelle vidéo. Apprêtez-vous, payez la vidéo, va cartonner. C'est qu'elle met demain matin, ça sera chaud. Apprêtez-vous à recevoir ça. Voilà. Il n'aime pas trop parler. Moi, il n'aime pas trop faire le direct pour bavarder comme les Apoutures nationales. Voilà. Moi, c'est pas comme ça. Ouais. Il prend, regardez, tu grossis. Hein. Oui, il pompe. C'est l'an de la 3 qu'on me donne. Il pompe pour moi. Quoi. Si j'étais viré, là, il y a maigri. Si j'étais viré de la 3, il y a maigri. Mais je ne suis pas viré. Je précise encore pour ceux qui viennent d'arriver. Je ne suis plus sur le plateau de Pipolémique, mais je ne suis pas non plus viré de la 3. C'est-à-dire que même demain, il peut me donner un oui fait là-bas. Il peut faire une émission, il peut faire un oui ici, il peut faire un oui là-bas. Donc voilà, mauvaise nouvelle pour les haters, pour ceux qui ne me kiffent pas. Allez-y dormir, rêver, partez renouveler les amours que vous avez attachés. Allez-y casser Canary au Carrefour. Mais Jésus ne dort pas, il est toujours là. Il est toujours là, je suis toujours sur la 3, ça allait. Voilà. Et où vous êtes là, c'est mauvaise nouvelle, vous aimez. Donc on dit, ouais, ils l'ont chassé. Qu'est-ce que c'est bonne nouvelle là? On va payer, mais on sponsorise les choses avant que ça parte. Mais petit, quand c'est un faux, ouais, là, toute la Côte d'Ivoire allait là. Juste quand les pays voisins mais sont mettent ça sur les pages. Vous voyez, c'est bête quoi. C'est bête. Moi, j'ai jamais été contre le fait qu'on critique mes œuvres. Hein. De toute façon, quand j'ai commencé l'émission du début, jusqu'à la fin, c'était les mêmes commentaires qui revenaient. Pas de coup, fais pas le poids. Il ne réussit rien face aux invités. Pourtant, on me voit dehors, les mêmes qui disent ça. Quand ils me voient les enfants, ils font venir les enfants pour faire photo de moi. Voilà, ça, c'est ce qui est. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Si vous pouvez jaser comme vous voulez. Mais tenez à rectifier un truc. Ne dites pas que non. Il a été viré d'abord. Je ne suis pas viré. Mon contrat est toujours là. Après. Il a fait une photo qu'on peut poster si vous voulez. Vous allez voir, c'est pas encore viré. Je suis pas encore viré jusqu'à preuve du contraire. Je suis sur la 3. Merci beaucoup. Il fait ce direct dans l'optique de démentir tout ça. Il y a Paul Michel qui dit tout ira bien, mon gars. Tout est bon. Avec Dieu, tout est déjà bon. Si moi j'arrive ici, c'est que c'est Dieu. Si moi il descend encore là, c'est que Dieu n'existe pas. Je le dis devant tout le monde aujourd'hui. Actuellement, on a 700 connectés. Je le dis devant tout le monde. Si il descend, c'est que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est Dieu qui t'a ce destin. Si aujourd'hui il doit faire cette polémique, c'est que c'était écrit dans ma vie. Et c'est comme ça, je vis au dépend de Dieu. C'est Dieu qui trace ma route. Non, c'est que vous avez dit sur Internet, à moi, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, tranquille. Voilà. Les Togolais aussi sont au Togo là-bas. D'autres ne me soutiennent pas, d'autres jazz, pardon. Moi, ça, c'est pas mon problème, quoi. Voilà, je suis les frères ici actuellement, ils sont assis. Tranquille. Les Togolais, bonsoir. Tout à l'heure, on se retrouve sur TikTok pour parler du Togo. C'est comme ça, moi c'est ma vie qui est là, je suis léger, aujourd'hui anniversaire de mon élément, calé de la ski, voilà, on va aller tout à l'heure faire un petit barbecue, Doty arrive, voilà, ça c'est mes vrais gars qui sont là quoi, tu n'as jamais me voir marcher les influenceurs ou bien quoi, parce que je sais à quoi m'attendre, je sais que là, eux ils sont quoi, ils sont comme un couteau, on ne sait pas c'est quelle face qui est la plus tranchante, voilà, bon, moi je suis toujours un mes éléments de sec restreint,
pas vraiment d'amis, c'est quoi je suis, voilà. Quand demain vous serez fatigué de dire on t'a viré, vous êtes où t'es. J'ai pas été, j'ai jamais été viré de trucs là-bas. Mon contrat n'est même pas encore fini, je suis encore là-bas. Voilà. Et perçois mon jeton jusqu'à ce qu'on me trouve quelque chose. Si demain on me dit c'est fini pour toi, faut bouger, je me lève de la toile, je bouge. Ça c'est normal, c'est ce qui est. Et c'est Dieu qui fait tout. C'est au départ, j'avais peur de oui comme ça. Et mon frère Jojo qui m'a dit ah, dans la vie là, si Dieu te fait avaler le coco, c'est qu'il sait que ton anus peut faire sortir ça. Donc là, c'est comme ça. Faut pas t'avoir peur. Partout où tu as parti là, faut pas t'avoir peur. Tu peux, tout peut se renverser à tout moment. Tout peut se relever à tout moment. C'est comme ça, ça y est. C'est Dieu qui trace tout. Donc là, voilà, c'est un peu ça. Tu seras élevé, mon vieux. Forcément, il serait élevé. Parce que je crois en Dieu. Dans tout ce que vous dites là, moi, ça, aujourd'hui, grâce à vous, il y a au moins 1 million de personnes qui m'ont découvert encore. C'est comme ça. De jour en jour, vous faites accroître ma visibilité. Et puis c'est comme ça, moi, ça me plaît. Franchement, c'est comme ça. Quand vous faites ça comme ça, là, il y a les marques qui m'appellent que ah, viens t'en faire publicité de mon coin et te donner un jeton. Moi, ce jeton, il prend en poche. Pendant que vous me suitez, ça fait qu'il y a d'autres. On appelle ça un placement de produits. Il y a d'autres qui viennent me voir pour faire leur mouvement. Moi, ça me plaît, c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu as été viré à Sumi. Je n'ai pas été viré aucunement. Il y a fait quoi et puis être viré. Et puis voilà, il y a d'autres qui disent que c'est suite à la vidéo de Jeniba Djaba de Dibado. Comment si vous êtes normaux vous-même là? Comment est-ce qu'une entreprise peut virer quelqu'un après avoir fait une vidéo dans laquelle il a dit la vérité? Je ne comprends pas. Il dit, moi, je ne kiffe pas la version de Jeniba Djaba. Et Jeniba Djaba, il dit qu'il ne kiffe pas cette version. Donc pour ça, là, ils vont me virer. Je ne comprends pas quoi. C'est un peu fou quand même, c'est un peu bête. Pour ceux qui pensent ça là, ils pensent que vraiment ça ne va pas, c'est un peu déréglé quoi. Ça ne va pas trop. Parce qu'il dit que Jeniba Djaba, ça ne sait pas à mon goût, il est viré pour rien comme ça. Il n'a jamais été viré de la 3. Je n'ai jamais été viré de la 3. Je suis toujours à la 3. Si vous voulez, demain, demandez-moi et vous envoie à chacun dans vos DM, dans les trucs, qui vous envoie mon contrat, c'est encore là. Mon contrat court encore jusqu'à l'année prochaine, ici, Cali. Si on me dit, ah, demain, je vais résilier ton contrat là, il m'en fait là, en ce moment-là, moi, je fais un poste pour dire, ah, je ne suis plus à la 3, je ne travaille plus là-bas. Quand il partait là-bas, ce n'est pas vous qui m'avez dit, c'est moi-même, j'ai fait un poste pour dire, ouais, je suis à la 3. Voilà. Eux aussi, ils ont fait un poste. Donc, ce n'est pas vous qui êtes venu. Vos pages bidon, vous postez du n'importe quoi pour alimenter, ça, c'est pas tout. Créer du contenu original, c'est tout. Voilà. Donc, il clarifie ça. C'est pas à cause de. C'est pas suite à la vidéo qu'il a postée le matin, quand on m'a dit qu'il a été viré ou bien jamais de la vie. Il n'a jamais été viré. Il n'a jamais été viré de la toile. Il ne fait plus partie de l'équipe PPLK. Et ça, on ne sait jamais. Voilà. Rien, les gars qui sont déformés là-bas, ouais, pas de côté, non. Il y a les chefs qui décident là-bas. Ils me disent tu ne fais plus partie de l'équipe. Moi, sûrement, quand ils m'ont dit ça, ils me disent quoi? Bon, sûrement, ils n'ont pas été à la hauteur de leur attente. Puisque c'est ce qu'ils en revenaient dans les commentaires. Voilà. La télé, c'est pour la visibilité, c'est tout. Si le gars n'arrange pas, on les casse, c'est tout. C'est ce qu'il a subi. Tranquille, laissez. Mais la prochaine qui va venir, il faut qu'elle fasse monter le oui. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Moi, c'est mon souhait. Tranquille. En attendant, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège, nous tous. Tranquillement. On ne sait pas. Très bientôt, sûrement de une nouvelle émission et tout et tout et tout. Merci beaucoup la famille. Oui, ça fait mal à quelqu'un. Pas de couillao. 10 questions. 10 que poisson vit dans l'eau. En tant que personnalité publique, essaie de revoir ton personnage bandit quotidiennement. Chacun, moi je suis ce que je suis. Voilà. Quand il publie les photos, vous bavardez, vous dites ce que vous voulez là-bas. Mais vous dans votre groupe, parmi les vauriens, les vilains qui bavardent là-bas là. Venez en prendre rendez-vous un jour, on se voit comme ça. Il porte ce qu'il veut. Il porte ce qu'il veut et vit. Il regarde jamais. Vous, il ne vous regarde pas pour vivre. C'est ce que vous devez savoir. Tout ce que vous racontez dans les commentaires, ouais, il a fait ci, il porte ça là, vilain truc, ça, c'est il ne vous regarde pas pour vivre. Un jour, vous-même, vous avez commencé à dire, ouais, lui là, il est bon, lui, il est ci, lui, il est ça. Là, c'est quoi, vous êtes mort. Il ne va jamais vous regarder pour vivre. Vous, il ne va jamais vous regarder pour vivre. Je connais plusieurs personnes qui disent ça et puis qui sont mes meilleurs crédits. Mais les personnes qui vivent mal, mais qui viennent te jouer, te donner un genre ici. Moi, je suis naturel, je suis tranquille. La première fois qu'il m'arrête partout, il fait mes vidéos, il veut tranquille. Ah, c'est mon personnage qui est là. Donc, à faire des. Ouais, tu as une personnalité publique. Vos conseils que vous voulez me donner pour que je réussisse ça, vous-même prenez pour réussir aussi. Mais sur Facebook, ici, c'est ceux qui n'ont pas de travail qui conseillent ceux qui travaillent. Sinon, ceux qui travaillent, eux, ils sont dans un coin là-bas, ils n'ont pas le temps de ça. Toujours, c'est vous qui avez conseil pour dire, ouais, soigne ton temps, fais ci, fais ça. Vous-même, faites ça. Moi, c'est mon personnage qui est là. C'est ma personnalité qui est là. Voilà. Il dit, mais paye mes chaînes, il achète ça, il porte. Ceux qui disent, c'est assiette ou si c'est fer ou si c'est aluminium ou ça, c'est votre problème. Voilà. Ce qu'il veut, il fait. Tranquille. Voilà. Et Dieu, merci beaucoup, la famille.
Pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis plus sur le bateau de PPLK, mais il n'a pas été viré de la 3. Tranquille, merci beaucoup. C'est un peu tout. J'espère que vous avez enregistré, puisque vous allez partager ça en ensemble, merci. Je laisse la vidéo sur ma page pour les mogos et les trucs. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, bisous. Big up, gouverneur Benzema. Big up, bébé sans demain. Big up, comment il s'appelle? Oh. Président Kobe, merci beaucoup. Voilà. Tous mes gars, merci. Merci beaucoup, mes gars. Tranquille, c'est vous, c'est tout, quoi. Voilà. Ça, c'est l'équipe restante. Président Kobe, merci. Gouverneur Benzema, merci, merci. Zagba aussi m'a écrit. Merci beaucoup, vieux. Parce que, on dit, dans le reportage, ça a été dit que, quand ceux du Hezbollah, certains, veulent se reposer, ils ont trop travaillé sur le terrain. Veulent se reposer, on les envoie en Côte d'Ivoire. Eh oui, on les envoie dans ma belle patrie, la Côte d'Ivoire. Venez se reposer. Oui. Et c'est à cause de ça, à cause de cette cellule du Hezbollah, du financement du Hezbollah qui quitte depuis mon pays, que la Côte d'Ivoire est maintenant remplie des grands services secrets du monde, dont la CIA, le FBI, la DGSE, le KGB, le Mossad. Et oui, il y a quelques semaines, ils sont rentrés en conflit avec Israël. Israël a décidé de les envahir. Ils étaient avant, l'année passée, le compte était plus de près de 100 000 Libanais. Et oui, je parle des Libanais en Côte d'Ivoire, qui sont depuis, avant même l'indépendance, à qui on dit que la France leur a dit de venir en Côte d'Ivoire. Ils sont les policiers de la France en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est ce qui a été dit. La personne qui me demande sous ça, il faut aller faire recherche. Moi, faire recherche, moi, je viens te donner. Toi, ton téléphone, ça te sert à quoi, au fait? Va faire tes recherches. Tape seulement Libanais en Côte d'Ivoire, tu vas voir tous les articles, tu vas voir tout, au fait. Tout dernièrement, Le Monde a fait un article que j'ai trouvé très intéressant. On va écouter. Qui parle. Donc, ils sont en guerre avec Tesca. Comment tu vas, chouchou? Tu vas bien, bébé?